un leader, c'est être capable de guider, d'inspirer, d'influencer. Être un leader, c'est être plein de motivation, de créativité et d'ambition. Être un leader, c'est avoir une vision, une carrière, bref, c'est être un modèle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Leadership. Cette émission-là qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde de l'emploi à travers une carrière professionnelle impressionnante, mais surtout qui se veulent être des modèles pour quiconque aspirerait à un plan de carrière atypique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme brillant, mais également pétri d'expérience. Spécialisé dans le domaine des technologies et toujours parmi les meilleurs de ses différentes promotions, il n'a jamais usé de zèle à l'évocation de son palmarès. Accessible et plein d'humilité, il n'éprouve aucune gêne à se rendre disponible pour toute la jeunesse qui le sollicite. Je vous présente Monsieur Tsamo Gaston Duclerc. Bonjour Monsieur Tsamo et bienvenue sur Leadership. Bonjour Flo, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Voilà. Et surtout, je dois dire que je me suis senti un peu privilégié de savoir que l'IUC, par votre voix, se rapproche de moi pour m'écouter, pour discuter avec moi, pour que je parle de mon sens, ma compréhension de leadership, de mes idées avec vous. Donc, merci une fois de plus d'être avec moi. Il faut dire que ça n'a pas été facile de vous avoir parce que vous êtes très occupé, mais néanmoins, vous avez trouvé un peu de temps à nous accorder, voilà, une fois encore. Merci. Voilà, justement, j'ai profité de mes congés pour vous accueillir et pour vous donner ce temps-ci. C'est vrai que même sans les congés, j'aurais pu aménager un temps pour vous recevoir parce qu'il y va aussi de mon intérêt hein, de pouvoir communiquer mes idées, ma vision, mon expérience avec les autres. Donc, je me sens particulièrement libre en ce moment si je suis en congé pour discuter de tous ces sujets avec toi. Alors, c'est vrai qu'il est assez long, mais on va essayer comme ça en quelques minutes voilà, de résumer votre parcours, histoire de mieux vous faire connaître aux téléspectateurs de MyIUC. Après de brillantes études secondaires, vous obtenez votre baccalauréat C en 1988 au grade de major de la région de l'Ouest. De cette bravoure, plusieurs opportunités s'offrent à vous, notamment l'École supérieure polytechnique de Yaoundé et l'INSET pour ne citer que celle-là. Vous porterez votre choix sur l'INSET où vous ferez une formation d'ingénieur en génie mécanique, option construction mécanique, doublée de pédagogie pendant 5 ans et ressortirez major de votre promotion. Dès la fin de votre formation d'ingénieur, le contexte économique particulièrement difficile avec la dévaluation du franc CFA et la réduction drastique des salaires vous pousse à explorer d'autres horizons et donc vous saisissez de nouvelles opportunités en Côte d'Ivoire où vous suivez un nouveau cursus en télécommunication. À la fin de votre formation, vous décidez de revenir investir au Cameroun dans ce domaine qui était voilà, en priorité tenu par des multinationales et donc vous créez votre première entreprise TTI, TAM, Télécom International, en 1995, puis une salle dénommée Innovative Technologies et Services en 1997. À cette époque-là, dans vos prestations, l'une des plus innovantes est l'installation et la mise en service des systèmes VSAT pour la fourniture des services Internet et la téléphonie. Vous vous retrouverez alors avec un portefeuille client qui s'étend en Afrique et au-delà du continent. Notons que l'un des meilleurs sera votre contrat avec le Pipeline Tchad Cameroun en 2001. Pour mieux appréhender la technologie et les meilleures techniques de management, vous rejoignez la société Cotco en 2003. Vous travaillerez ensuite comme cadre expatrié chez ExxonMobil entre 2008 et 2010 et rejoindrez de nouveau Cotco comme IT manager, fonction que vous occupez jusqu'à ce jour. Waouh, on peut dire que voilà. C'est bien cela. C'est bien ça, mon parcours. Pour ne donner que les éléments essentiels de ce parcours, parce que c'est un long parcours, truffé de hauts et de bas. Oui. Peut-être que nous aurons le temps de parler de ces hauts et même de ces bas au cours de cette émission, oui. Mais c'est à peu près ça mon parcours.
IT manager à Cotco, mais moi j'ai envie de demander, voilà, monsieur Tsamo, est-ce que c'est, voilà, le profil de carrière que vous vous étiez fait dans l'enfance? Est-ce que vous aviez rêvé un jour dans l'enfance, voilà, de travailler à Cotco ou encore de faire la formation technologique que vous avez fait, si on revient bien des années en arrière dans votre enfance? Tout de suite, là, je vais répondre par l'affirmative. Mon rêve de la petite enfance, c'était d'être un ingénieur, d'être un créateur, d'être celui qui est au cœur de la technologie. Et donc, quand je fais ma série C, à l'époque, en enseignement secondaire, je suis dans la voie pour faire cela. Et de temps en temps, je me demande qu'est-ce qu'il faut choisir. Et comme la plupart des enfants du secondaire, on veut être pilote. Assez souvent, c'est cela. Et quand j'ai passé le bac avec la mention bien, c'était d'ailleurs la seule de la province de l'Ouest à cette époque-là, comme vous avez dit, il y avait plein d'opportunités qui se présentaient à moi. Et je me suis posé la question, laquelle des opportunités était la mieux adaptée par rapport à mes besoins, par rapport à mon rêve? Et dans un premier temps, c'était l'école polytechnique. Mais sauf que sous l'influence des parents, peut-être qu'on reviendra au cours de ça, j'ai dû choisir autre chose. Seulement, chemin faisant, je me suis rendu compte que je m'écartais un tout petit peu du rêve qui était le mien. Et j'ai commencé à rectifier le tir moi-même. Et parfois sans le vouloir. Parce que quand tu as un rêve qui t'habite, il te tient. Donc j'ai commencé à rectifier le tir progressivement. Et donc j'embrassais tout ce qu'il y avait de compliqué, de difficile, techniquement parlant. Hein. Donc c'est pour ça que je fais construction mécanique. C'était la filière la plus difficile, la plus compliquée dans le cursus que j'ai fait. Et à côté de cela, je me dis, ce n'est pas assez. Parce que j'ai envie de faire des choses qui soient vraiment innovantes, qui marquent le monde. Donc, il fallait que j'ajoute à cela tout ce qu'il y a comme électronique. Donc, je faisais parallèlement, pendant que j'étais à l'école, mes cours de construction mécanique et les cours d'électronique avec les autres filières. Vous étiez très brave pour pouvoir faire les deux à la fois. Et j'ai pu faire les deux à la fois. Bien sûr, l'autre n'était pas diplômante. Là, je suis diplômé en construction mécanique, plus tard en télécommunication, mais cette fois-là, quand j'ai fini le cursus de 5 ans. Donc, quand je fais les deux, là, comme je vous ai dit, je me retrouve justement dans mon assiette et je suis persuadé que là, je peux faire exactement ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire être un ingénieur qui soit en train de créer les choses. Et quand je fais mon cursus de 18 mois en Côte d'Ivoire, et que je décide de revenir au Cameroun, justement, c'est parce que ce rêve est en train de commencer à devenir une réalité. Je me dis, mais j'ai tout le bagage technique pour pouvoir m'aventurer dans ce dont j'ai toujours rêvé. Donc, je peux maintenant devenir celui-là qui crée, qui crée des choses. Donc, je m'investis dans les télécommunications, dans le cadre de l'entreprise que j'ai créée en 1995, comme j'ai dit, TTI, Sam Telecom International, c'était ça l'entreprise. Et je commence là à m'exprimer. Et je peux vous dire que je suis en train de faire, et jusqu'à aujourd'hui, ce que je pensais que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire que je suis au cœur de la technologie. Et c'est ça aussi une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, je laisserai mon entreprise, Innovative Technology and Services, dont vous avez parlé tout à l'heure, pour aller rentrer encore dans la technologie que je voyais qui se trouvait de la grosse multinationale qu'est Cotco. Question de mieux appréhender ça encore et de rentrer... mettre encore cela au service de mon entreprise. Donc voilà un peu ce que j'avais comme rêve, qui est à peu près dans une certaine mesure réalisé. Ok, d'accord. Et la partie pilote, voilà la partie où on veut devenir pilote, ça continue de rester ou bien? Non, au contraire, aujourd'hui quand je reçois des enfants qui me disent je veux être pilote, parce que ça reste le rêve des enfants. Oui. Et heureusement, c'est peut-être une chance que j'ai. Beaucoup d'enfants viennent vers moi pour me dire « Oriente-moi, aide-moi à m'orienter, je veux faire ceci. » Quand c'est pas les parents, quand c'est pas les enfants, c'est les parents avec les enfants qui viennent me voir. Et donc, chaque fois que j'entends ceux-là, qui sont très brillants, dire « Je vais être pilote. » La première chose que je lui dis, c'est que « Est-ce que tu sais que dans 10 ans, il n'y aura pas de pilote dans les avions ?» Est-ce que tu sais que l'avion, même tel qu'il fonctionne aujourd'hui, peut voler sans pilote à l'intérieur? Donc, tu gagneras à faire quelque chose qui est peut-être plus intéressant, qui est plus passionnant. Peut-être toujours dans l'aéronautique, qui peut être civile ou militaire, où tu pourras mieux t'exprimer. Donc, si tu es très intéressé par l'aéronautique, reste là-dedans, mais ne dis pas que tu vas être pilote. Cherche à faire autre chose. Tu peux construire des avions
En faisant construction mécanique, par exemple, tu peux construire des avions plus tard. En faisant robotique, c'est plus passionnant, parce c'est plus intéressant. Vous êtes au cœur de la machine, au cœur des technologies, si on peut le dire ainsi. Voilà. C'est ça. L'avion est très complexe. Et le pilote ne fait pas grand-chose, en fait. Quand tu es dans le terminal, tu ne sais pas ça. Les pilotes vous en voudront. Hein? Bon, ils pourraient m'en vouloir, mais ils savent que ce que je dis a un sens. Le pilote n'a pas grand-chose à faire dans un avion. De plus en plus, il sera là pour rassurer les passagers. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas encore embarquer dans un avion. Il n'y a pas de pilote. Vous vous rendez compte que les drones volent sans pilote, non? Sans pilote, en effet. Ils vont là où ils veulent. Ils vont jusque là où on veut qu'ils atterrissent. Tout à fait. Et ils reviennent même. Ils changent même de destination en cas d'incident sur la route. Oui. Donc, les avions seront à peu près comme ça. Donc, c'est pour ça que quand je reçois des jeunes, je leur dis, il y a mieux que d'être pilote. Orientez-vous autrement. Il y a plus passionnant que ça. Et je les oriente justement. Je leur donne toujours d'autres ouvertures. À la fin, ils sont très contents, des discussions qu'ils ont avec eux. Et donc, durant donc, tout ce processus que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a tenu la main, quelqu'un qui vous a accompagné, voilà, qui a été un modèle sur lequel vous pouviez vous calquer pour arriver au niveau que vous avez aujourd'hui? Si je disais qu'on ne m'a pas tenu la main, ce serait un peu fou. Mais jusqu'à quel niveau, c'est plutôt ça la question. D'abord, j'ai été inspiré par une personne qui reste jusqu'à présent un peu comme mon idole, Dr. Simon, Ernest Simon, qui travaille pour la NASA. D'ailleurs, quand j'ai travaillé aux États-Unis entre 2008 et 2010, j'ai pris la peine d'aller à la NASA lui rendre visite pour lui dire tout le bien que je pensais de lui. Toute l'admiration que j'avais pour lui. Voilà. Et donc, il était très heureux de me recevoir aussi en tant que Camerounais. Et donc, je lui ai dit, depuis la classe terminale, j'entends ce nom. Et je ne vous ai jamais rencontré, mais vous êtes mon idole. Et j'ai toujours rêvé de faire ce que vous faites. Et d'ailleurs, même, vous avez construit des systèmes de télécommunication par satellite. C'est un domaine dans lequel j'ai travaillé également. Et je vous reconnais comme étant celui-là qui a activement participé dans la création de ce qu'on utilise aujourd'hui partout, qui est la carte SIM. Oui. Donc, Dr. Simon, c'était mon modèle quand je suis en classe terminale. Maintenant, quelles sont les personnes qui m'ont soutenu? Il y en a eu, hein, il y en a eu. Le plus grand soutien que j'ai reçu, c'était quand je venais nouvellement de créer mon entreprise. Parce que je la crée sans un rond, sans un sou. Parce que beaucoup de gens vous diront aujourd'hui que pour créer une entreprise, il faut beaucoup d'argent. Ce n'est pas ce que je pense, parce que quand je crée ma première entreprise, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai de la connaissance. J'ai beaucoup de connaissances et je suis prêt à travailler gratuitement pour des gens. Okay. Même étant dans le cadre de mon entreprise. Et quand je t'approche et que tu me dises, j'ai pas d'argent pour te payer, la prestation va être chère, je te la fais gratuitement. Je l'ai fait pendant longtemps. Wow. Je l'ai fait pendant longtemps. Bien sûr, il y en avait qui étaient reconnaissants et qui payaient. Mm-hmm. Mais celui qui ne voulait pas payer, je ne lui en voulais pas. Okay. Et je me rappelle que mon épouse, parce que je me suis marié très jeune aussi, mon épouse me disait, tu peux travailler pour rien. Je dis non. Moi, j'essaye de faire mes expériences. Oui. Il faut bien une plateforme pour expérimenter ce que tu as appris à l'école. Et dans les formations professionnelles. Et donc, les gens ne sont pas toujours disposés à te mettre à disposition ces plateformes-là. Et donc, j'utilise mon entreprise, je mets mon savoir à la disposition de ceux qui ont besoin de ça. Et s'ils ne peuvent pas payer, ce n'est pas grave, j'ai fait, c'est moi qui ai gagné. Forcément, c'est ça restera dans les annales, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et donc, je disais que je crée l'entreprise sans sous. Et dans le premier bon de commande que je reçois pour installer les systèmes, je n'ai pas d'argent pour le financer. Et c'est mon beau-frère, donc le mari à ma sœur aînée, qui m'assistera. Ça, c'est le plus grand soutien que j'ai obtenu et qui m'a lancé pour de bon. Mm-hmm. Il m'assiste et me met l'argent à disposition que je remets 2 semaines plus tard, parce qu'il me fallait juste 2 semaines pour rembourser de l'argent. Et là, j'étais parti. Mais comme j'ai dit, en créant l'entreprise, je n'avais pas d'argent. C'est un peu pour parler à ceux qui pensent dans leur coin qu'il faut un gros capital. Voilà, quand on n'a pas ce capital, bien entendu, le capital peut aider dans certaines mesures, mm-hmm. suivant les types de business qu'on veut faire. Mais s'il n'y a pas ce capital, cela ne te bloque pas. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire et faire sans capital. Je vois par exemple des informaticiens, donc ceux-là qui sont à peu près dans le même domaine que moi, mm-hmm. qui sont capables de s'asseoir chez eux, de créer des programmes mm-hmm. et simplement de les vendre. Ouais. Là, est-ce qu'il a besoin d'un capital? Non. Peut-être d'aucuns diront qu'il a besoin d'un ordinateur. Et oui, c'est l'outil de travail de l'étudiant. Donc, l'informaticien, c'est capital. C'est capital. Donc, il parle de là, mais cet outil-là lui suffit déjà pour commencer à être productif.
Et donc, quand vous avez le baccalauréat C, major de votre promotion, vos parents, là, j'imagine, c'est une fierté pour la famille. Pour en venir à la question, vos parents, est-ce qu'ils vous ont soutenu, en fait, est-ce qu'ils vous ont orienté, voilà, comme ça, dans le choix de la formation que vous avez fait par la suite? Donc, quand je passe le bac C, j'ai été reçu à plusieurs concours en même temps. Tout ce que j'ai fait, j'ai passé. Il y avait l'école polytechnique, il y avait l'INSEPT, il y avait l'école normale supérieure, il y avait l'INSAL, j'ai passé tout cela. Et il fallait choisir. Et malheureusement, les parents n'ayant pas tout à fait la même vision que moi, n'ayant pas la même appréciation que moi de la vie économique, ou mieux, de la technologie, pensait qu'il fallait aller là où tu as une sécurité de l'emploi. Oui. C'était ça, en fait, le besoin du parent. Okay. On savait que les deux premières semaines d'école, je ne savais pas où aller. Parce que moi, j'étais pour aller à l'école polytechnique, oui. Mes parents étaient pour que tu ailles à l'INSEP. Donc, au bout du compte, j'ai été un peu contraint d'aller à l'INSEP. Heureusement, l'INSEP offrait à peu près la même formation que l'école polytechnique, dans le domaine que j'ai fait, couplé à la pédagogie. Mais sauf qu'une fois sorti de l'école, tu as un emploi qui est ouvert à toi. Mais qu'est-ce qu'on appelle emploi en ce moment-là? C'est un emploi qui ne me permettait pas de m'exprimer comme j'avais souhaité. Et donc, du coup, pendant chemin faisant, je me rends compte que je peux m'ajuster. Et c'est pour ça que pendant que je suis mon cursus à l'école, j'ai fait deux formations en même temps. Mm-hmm. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'à la fin de ma formation, j'ai choisi de travailler sur un projet dans le cadre de mon mémoire, la conception d'un robot de manutention que j'avais dénommé à cette époque la TSAM 1. Donc, quand j'appelais TSAM 1, c'était parce que je pensais à un TSAM 2, oui, un TSAM 3, nous sommes en 93, hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il était question pour moi de créer des robots comme ça progressivement. Bon, je n'ai pas toujours eu le soutien qu'il fallait. C'est vrai que plus tard, en entrant dans la technologie, j'ai vu qu'il y avait mieux que ce que je voulais faire là. Et peut-être qu'il fallait partir d'un modèle existant déjà pour améliorer, apporter quelque chose. Et je travaille encore sur ces idées-là. Jusqu'à maintenant. Ah, jusqu'à présent. Je ne peux pas partir de ce monde sans laisser des marques. Alors, en 88, après l'obtention du bac major de la région de l'Ouest, forcément, la famille est contente, les parents sont subjugués par l'intelligence, et puis vous avez donc toutes ces opportunités, vos parents, est-ce qu'ils ont... Ils se sont dit, tu vas faire, une école tel que Polytech, parce que je sais que le Polytech à l'époque et aujourd'hui encore, c'est le rêve de beaucoup de jeunes. Alors, comment se passe votre orientation en ce moment-là? Les parents sont d'accord avec votre choix ou bien? Donc, quand je passe le bac en 88, avec une mention bien, c'était d'ailleurs la seule mention bien de la province de l'Ouest. La province de l'Ouest, à cette époque-là. J'avais plein d'opportunités. Et donc, tous les concours que j'avais présentés, j'avais été reçu à ces concours-là. Non, pas l'INSAI, il y avait l'INSEPT, il y avait l'école polytechnique, il y avait l'INSA, c'était pas l'école nationale supérieure d'agronomie, il y avait l'école normale supérieure. Okay. Ça, c'est le seul que j'avais fait. Okay. Il y avait même une bourse à l'étranger qui, par la suite, n'a pas été concrétisée. Mais au moins, j'avais ces quatre choix-là en main. Et mon choix portait sur l'école polytechnique. C'était ça mon choix. J'avais même pas un autre, c'est-à-dire je réfléchissais. Donc, aux parents, j'ai dit, je vais à l'école polytechnique. Mais les parents avaient une autre idée. Pour eux, il fallait penser à la sécurité de l'emploi. Oui. Et donc, eux, ils me disent, non, c'est l'INSEP. Tu dois aller à l'INSEP parce qu'au sortir de l'école, tu auras un emploi, qui est sûr. Donc, les deux premières semaines d'école, je ne fréquente pas. Parce que je veux aller à l'école polytechnique, mes parents veulent que j'aille à l'INSEP. Et finalement, je fléchis un tout petit peu et je vais à l'INSEP. Pas mal, parce que quand j'arrive à l'INSEP, mon rêve restant et m'habitant permanemment, je me rends compte qu'ils offrent quand même à peu près les mêmes formations qu'on a à l'école polytechnique, c'est une formation d'ingénieur couplée de pédagogie. Mais je me rends compte aussi qu'à côté de ça, je peux faire des filières parallèles. Oui. Des filières parallèles. Et donc, je faisais en même temps tous mes cours de construction mécanique, donc de génie mécanique, et des cours d'électronique que je faisais avec mes autres promotionnaires d'autres filières. Okay. Ça fait qu'au bout du compte, mon mémoire mettait ensemble les connaissances venant des deux filières. Les deux filières, okay. J'ai conçu un robot. Vous avez été capable de faire les deux à la fois? Oui, oui.
Dans un domaine, justement, je n'ai pas présenté d'examen pour le deuxième, pour l'électronique, mais au moins j'avais les qualités, mais les capacités. Est-ce que c'était possible quand même de présenter les deux examens? Non, malheureusement pas dans la même école. Ah, d'accord. Mais il y a des cours par correspondance que j'ai fait aussi par là. Peut-être j'en parlerai, je termine avec ceci et j'en parle parce qu'aujourd'hui on a des cours à travers l'ordinateur, on a des cours online. Okay. Mais à l'époque, là, c'était des cours par correspondance que je faisais en électronique. Wow. Question d'améliorer mes connaissances et mes compétences en électronique. Donc, mon mémoire de fin d'année porte sur la conception et la réalisation d'un robot de manutention équipé d'un système de vision électronique. Et ce robot-là, je le dénomme SAM-1. Et quand je disais SAM-1, c'était parce que je pensais à un SAM-2, un SAM-3, un SAM-4, et pourquoi pas plus tard, jusqu'à un certain niveau. L'idée a été un peu abandonnée quand j'ai retrouvé le monde du business, parce que j'ai vu qu'il y avait un meilleur robot que celui que j'avais réalisé. Et que je pouvais partir d'un des modèles peut-être existants pour faire quelque chose qui soit plus amélioré et plus porteur et plus utile encore. Et donc, j'ai retrouvé ce que je voulais faire à l'origine. C'est-à-dire que les parents ont voulu que je fasse quelque chose, mais par la suite, je me suis retrouvé en train de faire exactement ce que j'avais voulu faire. Parce que je termine mon cursus et je me dis, ben, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Il faut que je rentre dans le business et que je commence à travailler dans la technologie comme j'ai voulu. Donc, je m'investis dans le cadre de mon entreprise que j'ai dénommée Sam Telecom International. Et c'est là que je commence à m'exprimer réellement. Okay. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, je ne veux dire pas, vous dites merci énormément aux parents parce qu'en fait, laissez-moi m'aventurer peut-être en terrains inconnus. Si vous étiez à la Polytech, est-ce que vous auriez fait la même chose? Peut-être moins, je ne sais pas. Je pense que j'aurais fait la même chose et peut-être même mieux. Parce que quand tu as un rêve, je me suis rendu compte quand cela te tient, quand il y a une volonté forte pour réaliser quelque chose, quels que soient les détours que tu prends, tu vas arriver à réaliser ton rêve. Donc, je ne vais pas dire merci aux parents parce qu'ils m'ont orienté comme cela. Je ne les condamne pas non plus. Par contre, simplement, je me suis réajusté chemin faisant pour faire ce que j'avais voulu faire. Et aujourd'hui, ils sont très fiers de moi, mes parents. Nous rappelons que nous recevons M. Tsamo Duclair, IT Manager à Côte-Côte. Alors, revenons à Côte-Co. Vous êtes passé à Côte-Co. Aujourd'hui, vous êtes à 18 ans de service dans une structure de renom. Forcément, c'est beaucoup d'expérience que vous voulez partager avec nos jeunes. Sans doute. C'est beaucoup d'expérience, je dois le dire. La particularité avec l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est que c'est la filiale d'une grosse multinationale. Oui. Et quand tu travailles pour une multinationale, tu as l'avantage d'avoir les procédures en place. Tu as l'avantage d'avoir du matériel de travail, tu as l'avantage d'avoir un sens élevé de management. Bref, tu as les ressources qui sont nécessaires pour travailler dans une entreprise moderne. C'est ça la première expérience que j'acquiers quand j'ai rejoint Côte-Co. Parce que dans le cadre de mon entreprise TTI, et plus tard Innovative Technology and Services, je n'avais pas fait de management avant. Mais j'étais le manager, le promoteur de l'entreprise. Est-ce que je faisais bien? Je ne peux pas le dire. Mais j'employais jusqu'à 16 personnes au moment où, à un certain moment, 16 employés permanents. Et je me débrouillais pas mal à les gérer. Plus tard, quand j'ai commencé à travailler pour Côte-Co, en tant que IT manager, je me suis rendu compte de beaucoup de choses que je faisais, que je n'aurais pas dû faire, quant à la gestion des personnes, quant à l'orientation même, quant à la présentation de la vision du business. Donc j'ai vraiment beaucoup appris dans ce sens-là, en travaillant avec Côte-Co. Et surtout, Côte-Co m'a mis au cœur de la technologie. C'est comme si on m'avait donné une plateforme pour expérimenter tout ce que je voulais expérimenter. Un enfant qui en donne un jouet et puis on dit, vas-y, fais-en ce que tu veux. Donc, travailler les télécommunications, on commence par la mise en place de tout le système de télécommunications du pipeline Tchad Cameroun. Mm-hmm. Là, tu as tout là-dedans, à partir des systèmes satellites, des PBX, de l'Internet, du réseau informatique, des systèmes VHF, des systèmes HF. Bref, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a comme télécommunication dans ce monde. Tu retrouves tout cela dans le pipeline, on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une plateforme dans laquelle j'ai pu expérimenter tout ce que je rêvais d'expérimenter. Et c'est quelque chose que je peux aujourd'hui mettre au service d'autres personnes que je coach, en fait. D'ailleurs, il y a des personnes que je coach. Voilà, qui vous sollicitent tout le temps. Leur devenir, leur vision également, leur projet aussi. Voilà, dans le sens du leadership. Et j'essaie de jouer pleinement Tomorrow en m'appuyant sur cette expérience acquise-là pour les orienter, pour leur dire voilà comment on peut faire, voilà comment on fait.
Donc, j'ai d'autres jeunes, parce que j'ai l'avantage d'avoir fait, d'avoir géré une entreprise à moi, puis de réintégrer une multinationale. Oui, oui. C'est un contraste. Je vous demanderai ça. Comment est-ce qu'on fait pour passer de promoteur de sa propre structure à employé, c'est vrai que c'est une multinationale, mais employé dans une autre structure. En réalité, c'était, comme je vous ai expliqué, pour explorer d'autres horizons, rentrer au cœur de la technologie, sans tuer mon entreprise, parce que je l'ai laissée fonctionnelle, même si elle n'est pas à 100% de ses potentialités aujourd'hui. Okay. Donc, elle était quand même là. Et il était question que je revienne aussitôt pour remettre ce savoir au service de ma petite entreprise. En fait, j'étais comme aller puiser beaucoup plus de connaissances et venir se nantir, se fournir, voilà. Ah, bravo. Mais, en fait, c'était rusé aussi. Hein. Donc, et après, voilà, vous avez donc Côte-Co, vous avez un parcours assez atypique. Fonder une structure, rejoindre Côte-Co et tout. Et comment expliquez-vous ces changements de vision? Je l'ai dit, peut-être sans beaucoup insister dessus. Oui, parce qu'il faut très bien que les jeunes comprennent. Mm-hmm. Voilà, comment est-ce qu'on peut avoir autant de revirements et sans pour autant être désorienté en fait. Voilà. Quand je commence avec ma petite structure, il y a un ensemble de défis qui m'interpellent. Il y a des défis, surtout d'ordre technique. Mm-hmm. Une entreprise qui n'est pas assez outillée pour mettre à la disposition de ses employés tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner, peut battre de l'aile. Mm-hmm. Donc, je me rends compte rapidement que j'ai un challenge qui est assez sérieux, celui de pouvoir garder des employés pendant longtemps. Oui. Et c'est l'un des défis au Cameroun, parce qu'au cours de toutes ces années où je gérais mon entreprise, je me suis rendu compte que toutes les personnes très performantes que j'avais, je les perdais au bout d'un certain temps. Wow. Pourquoi on les perdait? Parce que, étant une petite entreprise, quand tu recrutes un employé qui est performant, oui, il a besoin de plus. De plus, de challenge. C'est vrai qu'il y en a que tu garderas même pas. Même avec un grand salaire, tu ne le garderas pas. Mm-hmm. Mais il y a des moyens de sécuriser ces personnes-là. Voilà. Donc, c'était le premier défi auquel j'ai fait face. Comment garder les gens? Comment les intéresser? Et j'ai tiré beaucoup de leçons avec ça. Mm-hmm. Et donc, en réfléchissant dessus, je me suis dit, je vais voir comment on fait le management dans une grande entreprise. Okay. Je vais voir comment ils gardent les gens. Je vais voir comment ils intéressent les gens. Et c'est donc étant à Côte-Co que je me rends compte qu'il y a tout un plan de carrière qu'on met à la disposition de l'employé tel qu'il connaisse, tel qu'il sache comment il commence, où il va et qu'est-ce qu'il faut pour atteindre pour aller du point A au point B. Ça, c'est à peu près connu. Oui. Et ça, c'est l'une des choses qui a justifié que je puisse aller de mon entreprise vers une multinationale, question de gagner en expérience et de revenir mettre ça au service de ma petite structure. En fait, Côte-Co, c'était tout bénéfice pour vous, c'était tout bénéfice, autant dans le management que la technologie. C'était vraiment le modèle que vous preniez pour aller implanter chez vous, quoi. C'était exactement cela. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait aussitôt. Okay. Et c'est bon de le dire, parce qu'une fois que je me retrouve à Côte-Co, l'environnement est intéressant, c'est paisible, on te met à disposition tout ce dont tu as besoin pour travailler. Et c'est malheureusement ce que je ne faisais pas pour mes collaborateurs, dans le cadre de mon entreprise. Donc moi, j'ai toujours eu tout ce dont j'ai besoin pour bosser. On ne lésine pas sur les moyens. Et c'est ça qui fait la productivité. Et c'est bien de le reconnaître aussi, parce absolument, qu'en principe, le promoteur se dit, je pense que je vous donne tout, mais il suffit d'avoir un regard externe pour se rendre compte en fait que ce n'est pas tout qui est mis à la disposition des personnes, de vos collaborateurs. Ça, c'est exact. Donc, tu te rends compte qu'il y a un ensemble de choses qui sont offertes à l'employé pour le garder. Oui. Tel qu'il n'ait pas envie de partir du tout. Ça fait que moi, quand je commence à travailler pour Côte-Co, je me donne 4 ans. C'était 4 années. Hein. Je me disais, au bout de 4 ans, j'ai fini avec ça. De 4 à 10, Ça s'est rallongé, mais ce n'est pas fini. Hein, parce que jusqu'à... Non, c'est pas jusqu'à présent, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut pouvoir concilier ton activité dans le cadre ton activité que tu as dans le cadre de ton entreprise et le fonctionnement de ton entreprise. À ce moment, tu vois qu'il y a un conflit d'intérêts. Mm-hmm. Tu es obligé de dire, ok, je vais laisser cela, quelqu'un d'autre va gérer, je le payerai et il me rend simplement compte. Ça, c'est une chose que j'ai faite qui n'a pas toujours beaucoup marché. Mm-hmm. Et j'ai pu tirer une expérience aussi de ça, c'est que
Beaucoup d'entreprises au Cameroun reposent beaucoup sur leurs promoteurs. Oui. Dont la mienne aussi reposait beaucoup sur moi. Au point que quand je me suis écarté un peu pour me mettre totalement à la disposition de l'entreprise qui m'emploie aujourd'hui, celle que j'ai laissée a commencé à battre de l'aile, malgré le fait que j'ai recruté quelqu'un qui était qui avait de hautes qualités, oui, qui a de très bonnes qualités. Ça n'a toujours pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? Je n'ai pas encore trouvé la bonne formule. Parce que même les richissimes hommes d'affaires qui sont aujourd'hui, oui, oui. On se rend compte dans l'univers du Cameroun, enfin dans l'environnement du Cameroun, que quand ils ne sont plus, parce qu'ils sont le porteur de la vision, oui. Quand ils ne sont plus, c'est assez difficile de maintenir le business. Cap. Alors, on parle de Cotco et on a l'impression qu'on peut se lever du jour au lendemain et puis on va entrer à Cotco. Bon. Pour ma petite expérience, je sais que ce n'est pas le cas. Comment vous faites pour être recruté? Parce que on voudrait bien le savoir. C'est vrai, vous étiez brillant, intelligent, toutes les promotions que vous avez faites, vous êtes sorti major. Est-ce que c'est un recrutement? Est-ce que vous êtes allé comme nos jeunes aujourd'hui déposer une demande d'emploi et puis on vous a recruté? Quand même, dites-nous, c'était quoi? C'est quoi la petite histoire derrière, avant votre entrée à Cotco? Oui, d'abord, je dois dire que les recrutements de Cotco ont toujours été, depuis qu'elle existe, publics, annoncés dans Cameroun Tribune. Et Cotco a toujours recruté les meilleurs. Je participe à des interviews pour recruter des gens chez Cotco. Et je peux vous dire que nous recrutons les meilleurs, indépendamment de d'où tu viens, d'où tu sors, qui t'a recommandé. Nous ne connaissons pas ça. Donc moi aussi, j'ai été recruté de la même façon. Je n'avais pas quelqu'un pour m'appuyer. Et personne pour rentrer chez nous n'a besoin d'un appui. Ça, je ne connais pas en tant que manager de Cotco, okay. Je ne connais pas ça. Ah, merci de rassurer tout un chacun. Et donc, aujourd'hui, on va juste comprendre que pour entrer à Cotco, il faut être performant, en fait, il faut être le meilleur parmi les meilleurs, c'est ça? Ok. Donc, et toutes les difficultés que vous avez rencontrées durant ce cursus, ce parcours, qu'il soit académique ou professionnel, on aimerait bien que vous nous en dites quelque chose. Et je vais parler plutôt des challenges et non des difficultés, parce que pour moi, les difficultés sont souvent des opportunités pour apprendre, pour s'améliorer. Donc, j'ai plutôt fait face à des défis qui sont normaux hein, dans le cadre du fonctionnement, que ce soit d'un individu ou d'une entreprise. L'un des premiers défis auxquels j'ai fait face, c'était celui de pouvoir me mettre ensemble avec d'autres personnes pour engager une action, pour créer un projet, pour travailler sur un projet. J'ai fait 3 tentatives qui ont toutes échoué. C'est-à-dire pour une fois, vous connaissez l'échec? Je connais l'échec. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui ne connaisse pas l'échec. Non, après être major plusieurs fois et puis que tout se passe comme sur des roulettes, on a l'impression que vous êtes directement descendu de Dieu et puis voilà. Non, plusieurs fois, j'ai essayé de mettre des gens ensemble. Oui. Parfois, c'était des amis que j'ai rencontrés dans le business. Parfois, c'était des gens... très loin de moi, j'ai essayé de les mettre ensemble pour qu'on crée ensemble une entreprise et qu'elle fonctionne. Oui. Le tout dernier en date, c'était l'entreprise GlobalNet, que j'ai créée de toutes pièces, hein, avec d'autres gens, avec d'autres partenaires, qui finalement était la première entreprise au Cameroun à faire de l'Internet mobile. Je me rappelle qu'en 2000, au moment où personne n'imaginait qu'on pouvait avoir de l'Internet pendant qu'on est en train de se balader, aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Hein. Normal. En 2000, personne n'imagine. Donc, dans le cadre de cette entreprise-là, que j'avais créée avec d'autres amis, on avait lancé pour la première fois au Cameroun l'Internet mobile. Je me souviens que j'avais installé des relais à Akwa et je me baladais dans les rues d'Akwa avec mon laptop en main. Certains pensaient que j'étais fou. Un laptop en main, tu es en train de faire ça. Mais plus tard, j'étais obligé de laisser cette entreprise. Parce qu'on n'a pas pu s'entendre sur un ensemble de choses. Mais ce n'était qu'une partie de la vie. Donc ça, c'est passé. Ça, c'est l'un des défis que malheureusement, je n'ai pas relevé de façon à être satisfait, à me dire, voilà, ça c'est un défi, c'est un challenge, je me suis mis au-dessus, c'est passé. Enfin, si c'était bien passé, on aurait... Ça, c'est vos challenges en tant que chef d'entreprise, c'est ça? Voilà. En tant que chef d'entreprise et même se mettre ensemble pour créer une entreprise. Pour créer, voilà. Ça, c'est peut-être le plus gros défi auquel j'ai fait face, que je n'ai pas efficacement relevé, mais qui reste encore ouvert jusqu'à maintenant, parce que moi, je n'abandonne rien. Okay. Ça reste encore ouvert. J'ai toujours pensé, et ça, c'est encore ma vision, que quand on se met ensemble, on peut faire de grandes choses. Et donc, les difficultés aujourd'hui, en tant que manager des systèmes d'information dans une multinationale,
Les challenges, voilà. Autant les challenges. Vous allez me l'accorder. Nous, on est habitués à des difficultés. C'est rare de trouver des personnes qui transforment leurs difficultés en challenge. Voilà, et cela peut s'expliquer, voilà, peut-être par votre parcours, par où vous êtes aujourd'hui. Et c'est toujours une belle expérience. C'est bien d'apprendre tous les jours. Et vous m'apprenez quelque chose. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, je suis rentré dans un domaine qui est passionnant pour moi. Parce que ça rentre dans mon rêve d'enfance. Un monde, un environnement qui est changeant, qui évolue très vite. L'environnement de l'informatique et des télécommunications. Et donc, en tant que manager des systèmes d'informatique Côte-Con et même des télécommunications de Côte-Con, nous sommes en perpétuel changement pour évoluer dans la technologie, pour rester performant dans ce cadre-là. Et ça nous amène à beaucoup travailler. D'abord, à beaucoup nous recycler, et l'entreprise met à notre disposition tous les moyens pour nous recycler à travers des formations qui sont souvent plus efficaces que l'école que nous faisons là. Parce que peut-être plus tard, on va y revenir, l'école t'apporte à peu près 30% de ce dont tu as besoin pour travailler en entreprise. Mais tes recherches personnelles te permettent d'aller à 70% de ce dont tu as besoin. D'accord. Le cadre professionnel qu'on t'offre te permettra de te sentir accompli. D'accord. D'arriver à 100%, voire plus. Voilà. Donc, les 40%, là, c'est ça que moi j'ai recherché pendant tout le temps. D'ailleurs, j'ai eu une formation qui était assez sérieuse. Oui. Mais cette formation, même la plus intéressante, ne pourra m'apporter que 30% à peu près de ce que j'ai besoin. Maintenant, les 40%, ce sont mes recherches personnelles. Ce sont les formations que je vais prendre séparément. Et donc, dans ce cadre-là, Côte-Con fait un grand effort pour nous faire faire des formations de façon à nous mettre à jour de tout ce qui existe. D'accord. Et aujourd'hui, l'une des choses sur lesquelles nous travaillons à Ramon, c'est la transformation digitale de la compagnie. D'accord. Vous direz, c'est la mode. Oui, c'est la mode. Nous, on a commencé un peu plus tôt que beaucoup d'entreprises au Cameroun. Oui. Sinon, peut-être les premières, parce qu'on a commencé à digitaliser nos processus il y a à peu près 6 ans de cela. Ok. Oui. Et donc là, c'est un terrain assez fertile sur lequel on ne va jamais dire qu'on est assez cultivé. Donc au jour le jour, nous essayons de digitaliser tous nos processus. Ok. Et en nous appuyant sur des modèles qui sont existants comme les modèles Agile. Et bien entendu, tout en rendant les services à nos clients. À vos clients. Ok. Nous rappelons que nous recevons sur ce plateau M. Tsamo Gaston Duclair, IT Manager à Côte-Co. Voilà, M. Tsamo, bon, on a élaboré votre parcours de promoteur à employé aujourd'hui d'une grande multinationale. Et donc, s'il fallait qu'on regarde votre parcours d'hier et celui d'aujourd'hui, quelle est la période que vous préférez? Je ne sais pas s'il y a une période que je vais préférer. Chaque période à ses challenges, à ses défis. Et je reviens d'abord sur le monde, sur la période où j'étais employeur, promoteur d'entreprise. D'aucuns pensent que c'est peut-être la meilleure façon de gagner sa vie. C'est certes une façon de gagner la vie, mais qui est empreinte de plein de défis qu'il faut relever. De la même façon qu'aujourd'hui, je respecte ma hiérarchie. Je me rappelle que j'étais obligé de respecter ceux qui étaient pour moi les clients. D'accord. Et quand je soumissionnais à un appel d'offres, je répondais à un appel d'offres et que j'attendais le résultat, j'étais prêt à toutes les courbettes. D'accord. Toutes les courbettes, je faisais pas les choses normales. Non, mais je pouvais m'agenouiller pour me dire, donne-moi le marché. Oui. Donc, ça c'est une période où je vais dire, il faut relativiser ça, parce qu'on va dire tu gagnes beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ouvrent et qui ferment chaque jour. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Bon, on n'a pas parlé de ça, mais vous avez relaté, madame, votre femme disait, mais tu ne peux pas travailler gratuitement. Est-ce que ça n'a pas été compliqué également sur ce pont-là, de pouvoir travailler gratuitement et puis avoir un ménage à gérer? En fait, simplement, je ne ramenais pas assez d'argent par rapport à ce qu'elle estimait. D'accord. Mais pour moi, c'était suffisant pour gérer le ménage. Okay. Et donc, j'avais une satisfaction qui était totale. Okay. De me mettre au service des gens gratuitement et de savoir que j'ai accompli une mission. Okay. J'ai fait quelque chose qui est techniquement fonctionnel et dont les gens sont contents. D'accord. Pourtant, c'était ça ma satisfaction, pas l'argent. Mm-hmm. Je regardais l'argent après. Okay. Et donc, pour ceux pour qui je travaillais gratuitement, je t'ai dit,
Ils étaient contents, j'étais content aussi. C'était un peu égoïste. C'était pas un peu. Il n'y a pas de cela. Hein? Non, de la vôtre, voilà. D'être uniquement satisfait sur votre plan, c'est-à-dire de réaliser, de concrétiser votre rêve, mais de léser quelque part. Ce que je ne lui avais pas fait comprendre à l'époque, là, et qu'elle a plutôt compris plus tard, c'est que j'étais en train de construire un capital d'expérience. Qui a plus tard commencé à servir et qui a ramené beaucoup d'argent à la maison et qui continue de ramener jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc c'est ça que, il fallait passer par là. Et je crois qu'elle a compris ça. Donc on parlait des défis d'une période à une autre. Donc, les défis en tant que promoteur d'entreprise, ils sont nombreux. J'ai parlé d'un des défis là. L'autre, c'est celui de savoir que tu as du personnel qui compte sur toi. Et pour peu que tu fléchisses, c'est tout un monde que tu draines avec toi. Ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu dois garantir les salaires tous les mois. Tu dois garantir les... Tu dois payer. Il y a plein d'engagements que tu prends. Et quand tu sais que des gens dépendent de toi, il y a des erreurs que tu ne dois pas faire. Donc, ça fait toute une difficulté qui souvent fait que des hommes les font perdre le sommeil. Beaucoup ne dorment pas. Bon, et plus tard, je ne vais pas dire que c'était une époque facile. J'allais dire que vous en gardez quand même un souvenir positif. Je garde beaucoup de souvenirs positifs. De la période de promoteur. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, j'avais moins de temps à ce moment-là. D'accord. J'avais beaucoup moins de temps. Mm-hmm. Parce que certains ont souvent pensé que, étant promoteur d'entreprise, tu peux te lever à 10h et aller au boulot. Non. Je me souviens que c'est le moment où je ne dormais pas assez. Ouais. Parce qu'il fallait travailler sur les projets, répondre à des appels d'offres, aller solliciter des choses, apprendre surtout. Et donc, je prenais beaucoup de temps à faire tout ça. Et donc, je travaillais un peu plus de peut-être 15 heures par jour. Donc, aujourd'hui, bien sûr que j'occupe pleinement mon temps. Je travaille sur des choses tout aussi passionnantes. J'ai parlé de la transformation digitale, qui est quelque chose qui sonne, ça sonne beau aux oreilles de tout le monde. C'est la nouvelle technologie. Ça m'occupe le temps. Je suis très heureux de savoir que, après avoir fait ça, je gagne de l'argent. Je ne peux pas dire si je gagnais plus maintenant qu'avant que maintenant. Peut-être c'est la même chose. De toute façon, je suis satisfait par ce que je fais. Et parallèlement, j'ai des projets sur lesquels je travaille qui me rapportent aussi de l'argent. Ça, je ne veux pas beaucoup élaborer dessus, mais il y en a. Il y a des projets. Comme on a dit, j'ai parlé de Innovative Technology Services, qui fait quand même des petites choses encore. D'accord. Et donc, aujourd'hui, après déjà 25 ans, voilà, parcours professionnel qui s'étend sur une période aussi longue que celle-là, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez pu, du parcours que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui? Je suis heureux de la position que j'occupe dans la société aujourd'hui. Quand je dis société, je ne parle pas de Côte-Côte, non. Je parle de la société de notre environnement. Okay. Est-ce que je peux avoir mieux? Je pense que oui. Est-ce que je peux avoir mieux? Je pense que oui. Est-ce que j'aurais mieux? Je pense encore que oui. Oui. Donc, je continue de faire mon chemin. Et si on faisait un feedback en arrière et qu'on vous demandait, mais Monsieur Tsamon, après tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez changer? Vous direz quoi? S'il y avait quelque chose que je devais changer, c'est l'approche business. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je vais peut-être bientôt rentrer encore pleinement dans le business. L'approche sera totalement différente. Et elle ne sera plus une approche purement camerounaise. Parce que je saurais quand même apporter la touche d'une grande multinationale dans un business qui est camerounais. Mais il y a beaucoup de choses que je rectifierai. Je sais aujourd'hui, quand, par exemple, comment garder un employé. Avant, je n'ai pas pu faire ça. Chaque fois qu'ils étaient très bons, ils partaient. Ok. Vous m'avez dit, on ne parle pas de difficultés chez vous, on parle de challenge, on parle de défis. Du coup, je voudrais encore savoir lesquels des challenges aujourd'hui vous avez. Parce que voilà, on a parlé de quelques, je ne vais pas parler, ce n'est pas forcément des projets, mais il y a beaucoup d'idées que vous aviez en tête, voilà, sur lesquelles vous comptez revenir dans un futur très proche. Et donc, vos challenges aujourd'hui, les plus grands vraiment, sont lesquels? Mes challenges les plus grands sont surtout des challenges personnels, mais qui, par la suite, devront impacter mon environnement. Mon plus grand rêve, ce n'est pas de gagner de l'argent,
c'est de même d'impacter mon environnement de façon positive. D'accord. C'est-à-dire laisser une marque dans ce Cameroun qui m'a beaucoup donné, hein, je dois le reconnaître. Je ne l'ai peut-être pas assez dit. Nous, quand on était au secondaire, on avait une bourse. J'ai toujours eu la bourse, hein, étant parmi les meilleurs de la classe. J'ai toujours eu depuis de la 6e à terminale. Puis tu j'arrive à l'université. Ça a toujours été trop facile pour vous. Je ne vais pas dire que c'était facile. J'arrive à l'université, j'ai une bourse. Ce n'est qu'en 5e année que, à cause des perturbations qu'il y a eu, on a stoppé, on a cessé de donner les bourses aux étudiants. Okay. Donc, le Cameroun m'a beaucoup donné et je pense que je n'ai pas encore assez donné pour ce Cameroun. Et donc, pour moi, je dois faire quelque chose qui marque le Cameroun et quelque chose qui aille dans la direction de relever un défi qui est lié à l'emploi, à l'occupation des jeunes. Je travaille sur un projet comme celui-là, je ne vais pas le dévoiler maintenant. D'accord. Parce que sinon, il passe. On y reviendra dans un futur également. Voilà, quelquefois, ça, c'est ça. Ouais. Donc, vous entendez parler. Ok, merci. De Innove. Ça s'appelait Innove. Avec deux O, deux V. D'accord. Je vais faire un bref récapitulatif. Vous êtes passé par Côte-Co, vous avez eu un cursus assez exceptionnel. Vous avez suivi plusieurs formations en peu de temps, ce qu'on ne reconnaît pas à beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, vous avez, on a des jeunes, on a une jeunesse qui est souvent partagée entre son désir à elle et celui des parents. Vous avez été impacté par vos parents, mais avec beaucoup d'efforts, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez. Ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant dans tous les sens, autant pour vos parents que pour vous. Mais quand un jeune aujourd'hui fait face à ce que son parent veut pour lui et ce n'est pas son choix, quel est le conseil que vous pouvez donner autant aux parents qu'à l'enfant? Parfait. Le premier conseil que je donne, c'est le conseil en direction des parents. Imposer à un enfant de faire une filière ou bien de l'orienter de façon peut-être forcée n'est pas la façon la plus indiquée. Et moi-même, j'ai payé le prix de cela. J'ai une de mes filles, parce que j'ai deux enfants, dont une, j'ai deux filles, deux mes premiers enfants sont aux États-Unis. La première, que j'avais orientée en pensant que j'étais en train de donner un conseil par rapport à une filière que je pensais être porteuse et que je pensais être bonne pour elle. Et comme elle était assez réservée, ce n'était pas le genre qui va dire non à papa. Ma fille, à cette époque-là, a fait ce que je voulais. Mais quelques années plus tard, alors qu'elle était déjà au niveau bachelor, elle commence à fléchir à l'école. Et je commence à chercher à comprendre ce qui peut se passer pour qu'une fille aussi brillante commence à fléchir. C'est pendant que je questionne tout cela que ma fille me dit que, en fait, je n'aimais pas ça. C'était une très grande déception de ma part. Pas pour elle, pour moi-même. J'étais déçu pour ce que j'ai fait. J'ai dit, je pensais que j'avais bien fait, que je t'orientais par rapport à ce que toi, tu aimais. Malheureusement, tu ne m'as pas dit. Maintenant, ce n'est pas tard. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin de m'informer. Et elle a soutien. Elle a complètement changé pour faire d'autres filières. J'ai dit, tant mieux. Et elle réussit là-bas. Bravo. Elle se débrouille pas mal dans ces filières-là. Donc, ce que je dirais aux parents, c'est qu'il faut laisser l'enfant choisir là où il se sent le mieux. Et par ailleurs, maintenant, pour les jeunes étudiants, quand tu te retrouves dans un domaine où tu penses être celui qui t'intéresse, donne-toi à fond. L'excellence est le premier mot, c'est le maître mot quand tu es en train d'exécuter une tâche. Moi, je me rappelle qu'au secondaire, pendant que je faisais la série C, ainsi que mes autres frères, on se battait pour être meilleur en tout. La série C est connue pour être la série où on fait mathématiques, physique et tout cela. Mais attention, nous étions les premiers en français. On était les premiers en anglais. Il fallait être premier même en travail manuel. Et c'est cette culture-là qu'on nous a donnée. Donc, moi, ce que j'ai dit aux jeunes, c'est que où que tu te trouves, quelle que soit la tâche qui t'est assignée, quel que soit le projet dans lequel tu t'engages, donne-toi à fond. Seule l'excellence paye. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui des outils qu'on n'avait pas hier. À partir de l'Internet, au jour d'aujourd'hui, on peut engager une filière totalement différente, se former là-dedans et devenir un expert. Et je continue de dire aux jeunes que l'école seule ne suffit pas pour te permettre de gagner une vie. En réalité, les meilleures personnes, celles qui réussissent mieux dans la vie, sont celles qui, à côté de l'école, ont fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on leur enseignait à l'école. Ça fait de cette personne-là une personne différente de ses frères avec lesquels il a fait l'école.
Donc, si tu es par exemple en informatique, il faut que quelque part, dans un autre domaine, je ne sais pas, même en psychologie, que tu t'exprimes de façon à ce que les gens soient surpris de dire, mais vous m'avez dit qu'il est informaticien, pourquoi il parle de psychologie? Et pour ce faire, on a tous les moyens aujourd'hui, à travers l'Internet, de faire ces formations-là. Et aussi, pour terminer, je vais dire que l'école n'enseigne pas tout. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore enseignées dans nos écoles, qui sont pourtant nécessaires dans le milieu professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou d'autres choses. Et donc, il faut se dire, je dois aller chercher. Et donc, il faut chercher. Il ne faut pas croiser les bras. On a une multitude de jeunes qui vous prennent pour modèle, à qui vous prodiguez des conseils. Et on a également cette jeunesse-là qui ne vous connaît pas. Donc, je voudrais que vous donniez une phrase magique. Celle que vous donnez souvent à ceux qui vous suivent. Donnez une phrase magique à nos jeunes-là qui se préparent à affronter le monde de l'emploi. Ce que je peux leur dire simplement, c'est qu'il faut rechercher l'excellence dans tout ce qu'on fait. Quand tu montres que tu fais mieux que les autres, c'est visible, c'est perceptible, c'est indiscutable. Donc, quand tu recherches l'excellence en tout, je dis bien en tout, hein. Tu es étudiant, je ne sais pas, en génie civil. En génie civil. Fais de façon que n'importe qui passe là-bas se dise qu'il y a un étudiant en génie civil ici. Parce que tu te démarques des autres. C'est ça l'excellence. Si chacun fait ça, chacun va se faire remarquer et je crois qu'on pourra changer. Avoir sa chance, son opportunité aussi. Oui. Bon, on va terminer avec cette phrase. Est-ce que vous avez une doléance à formuler par rapport à cette interview, M. Tsamo? Pas vraiment, mais simplement, je vais dire que de plus en plus avec les réseaux sociaux, on peut se retrouver avec une interview fragmentée. Et un fragment peut sortir de son texte totalement et avoir un sens totalement différent. Donc, ce que je pourrais demander, faire comme doléance, c'est de garder la totalité de son interview pour que chaque chose reste dans son contexte. Parce que quand tu détaches quelque chose de son contexte, elle peut être perçue autrement. Ne vous inquiétez pas, je puis vous rassurer qu'on va faire très attention. Et puis, bon, vous aurez le retour et puis vous nous direz également votre approche de la chose. Et vraiment, nous vous remercions, M. Tsamo, d'avoir accepté cette invitation. Vous l'avez suivi, chers téléspectateurs, M. Tsamo, un autre de ces modèles qui vous prodigue des conseils, qui vous dit qu'il faut rechercher de l'excellence. Il fait partie de ces personnes-là qui n'ont pas pensé que les opportunités qui leur étaient offertes étaient acquises. Du coup, ils se sont donné tous les moyens qu'il fallait pour pouvoir garder ce qui était acquis. Aujourd'hui, nous vous avons présenté un nouveau modèle. Nous vous avons présenté de diverses idées. Nous avons présenté des astuces pour pouvoir vous forger, vous aussi, une place de choix dans le monde de l'emploi. Monsieur Tsamo, un grand merci, malgré toutes vos occupations, d'avoir été avec nous. Nous vous remercions infiniment au nom de MyIUC. Je vous dis également merci. Ouais. Merci d'être venu pour cette interview. Merci d'avoir consacré tout ce temps pour moi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous savez que vous êtes notre cœur. Vous savez que vous êtes nos chouchous. Vous savez que vous êtes nos bébés, pourquoi pas. Surtout cette jeunesse-là qui est le fer de lance de la nation. Nous prendrons rendez-vous avec vous pour une prochaine édition de Leadership. D'ici là, bye bye.